Alors, bonsoir tout le monde. En l'absence du maire, M. Stéphane Williams, je vais présider la séance de ce mois-ci à titre de maire suppléant. Je déclare donc la séance ouverte. Le point 2.1, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 5 octobre 2021. Ça va me prendre un proposeur, Mme France Gosselin, appuyée par Mme Marie-Ève Tanguay. Le point 3.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 14 septembre 2021. Marie-Ève. Ici, j'aimerais porter à l'attention des membres du Conseil que le procès-verbal comporte deux petites erreurs de date. Donc, il y aurait lieu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal du 14 septembre 2021 avec les corrections suivantes. Donc, que la résolution numéro 245-09-21, que la date d'embauche du coordonnateur à la planification et au développement du territoire du 20 septembre 2021 soit remplacée par la date du 15 septembre 2021, ainsi que la résolution numéro 246-09-21, ici la même chose aussi suivant la date d'embauche du technicien en urbanisme, soit du 20 septembre au 15 septembre 2021. Parfait, ça va me prendre un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Michel Martel. Le point 4.1, approbation liste des paiements à ratifier et des comptes à payer. Michel. Alors, pour la période du 14 septembre au 4 octobre 2021, trois listes ont été déposées, soit celle des chèques et dépôts à ratifier pour un montant de 778 319 $. Montant significatif de ce montant, on peut noter la quote-part due à la MRC de Marguerite Duville, montant de 140 175 et Régie intermunicipale de police, quote-part aussi, 466 949 $. La deuxième liste, compte à payer et engagement, 146 402 $53. Et enfin, la liste des salaires période 18 et 19, 377 598 $05. Il est proposé de ratifier les paiements effectués et approuver les comptes à payer qui apparaissent sur les listes jointes aux présentes et autoriser la trésorière à émettre les chèques nécessaires pour effectuer le paiement des comptes à payer. Parfait. Ça va me prendre un proposeur, M. Mathieu Daviaud, appuyé par Mme France Gosselin. Le point 5.1, contrat soutien professionnel à la direction de l'urbanisme. Vicky. Oui. Alors, considérant que la directrice de l'urbanisme, elle est encore en congé de maternité jusqu'en janvier 2022, alors il est ici proposé d'octroyer un second contrat au réseau Conseil des Sages pour les services de Mme Sylvie Champagne. Alors, il y avait déjà un contrat qui avait été octroyé et là, on a épuisé les heures. Donc, le travail exceptionnel de cette ressource nous emmène à lui octroyer un deuxième mandat, alors un autre 700 heures qui sera vraiment utilisé là, au besoin jusqu'au retour de la directrice. Parfait, ça va me prendre un proposeur, Mme France Gosselin, appuyée par Mme Marie-Ève Tanguay. Le point 7.1, modification du règlement 780-00-2021, décrétant une dépense et un emprunt de 4 millions pour l'élaboration et la réalisation de la mise aux normes de la station d'assainissement des eaux, usée, et autres ouvrages d'infrastructures connexes, comprenant notamment la mise aux normes des postes de pompage Martin, PP1, et des mésanges, PP2, et la mise en place d'un système de dégrillage, incluant un nouveau bâtiment et le remplacement du système d'aération par un système de type fine bulle. Mathieu. Oui, alors, considérant qu'il est nécessaire d'amender le règlement 780-00-2021, puisque la proportion des frais incidents excède les balises du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, il est donc proposé que le titre du règlement 780-00-2021 soit remplacé par le suivant. Règlement 780-00-2021 décrétant une dépense et un emprunt de 3 781 871 $64 pour l'élaboration et la réalisation de la mise
aux normes de la station d'assainissement des eaux usées et des ouvrages d'infrastructure connexes, comprenant notamment la mise aux normes des postes de pompage PP1 et les mésanges PP2, et la mise en place d'un système de dégrillage incluant un nouveau bâtiment et le remplacement du système d'aération par un système de type film-bulle, que l'aliéna 2 de l'article 3 du règlement 780-00-2021 soit remplacé par le suivant. Le tout selon l'estimation détaillée du coût des travaux, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, signé par M. Michel Hugron, TP, gestionnaire de projet et conseiller technique pour le département des services techniques et des travaux publics en date du 1er septembre 2021, laquelle est jointe comme annexe A au présent règlement pour en faire partie intégrante, que l'article 4 du règlement 780-00-2021 soit remplacé par le suivant. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 3 781 871,64 $ pour les fins du présent règlement, que l'article 5 du règlement, toujours 780-00-2021, soit remplacé par le suivant. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 3 781 871,74 $ sur une période de 20 ans, qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Parfait, ça va me prendre un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par Mme Vicky Langevin. Le point 7.2, Assurance responsabilité professionnelle, Barreau du Québec. Michel. Alors, considérant que l'avocate, Maître Isabelle Paquette, qui est notre greffière, est au service exclusif de la Ville de Saint-Amable, j'ajouterais juste ceci. Il faut savoir qu'un avocat peut demander d'être dispensé de l'obligation de souscrire au fonds d'assurance du Barreau du Québec s'il est au service exclusif d'une municipalité, ce qui est le cas de Maître Paquette. Alors, il est proposé que le Conseil municipal déclare, aux fins du règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des membres du Barreau du Québec, que la Ville de Saint-Amable se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l'avocate Isabelle Paquette dans l'exercice de sa profession. Voilà. Parfait. Ça va me prendre un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Mathieu Daviaud. Le point 8, il n'y a rien. 9, services et loisirs. Services et loisirs récréatifs et communautaires. 10.1, contrat de location Parc Le Rocher événement. Vicky. Oui. Alors ici, c'est une résolution que nous devons adopter afin que la compagnie, l'agence Bicep Inc. puisse être autorisée à tenir un cyclocross les 30 et 31 octobre. 2021, ainsi qu'il y a d'autres petites activités qui seront faites dans le parc Le Rocher. Alors ici, nous autorisons tout simplement le prêt de notre beau parc pour ces événements. Parfait. Ça va me prendre un proposeur, M. Mathieu Daviaud, appuyé par Mme France Gosselin. Le point 11.1, octroi d'un contrat d'enneigement de la pente à glisser du parc Le Rocher, ARP, 21-041-TP. Mathieu. Oui, alors, l'hiver étant à nos portes, il y avait lieu d'aller en appel d'offres pour l'enneigement de notre pente à glisser au parc Le Rocher. Il est donc proposé d'adjuger le contrat RP-21-041-TP relatif à l'enneigement de la pente à glisser du parc Le Rocher au soumissionnaire unique conforme, soit Sono Innovation Inc., pour une période de 3 ans, selon les conditions et prix de la soumission, pour un montant de 215,43 $, toutes taxes incluses, et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 02-701-52-522. Ça va me prendre un proposeur, Mme France Gosselin, appuyée par Mme Marie-Ève Tanguay. Le point 12.1, dépôt des états comparatifs de l'année 2021. Michel. Alors, il s'agit d'un exercice qui est exigé par la loi sur les cités et villes, qui doit se faire à chaque année. Donc, des états comparatifs ont été déposés, qui indiquent, entre autres, que pour l'année 2021, avec les prévisions qu'on peut faire à partir du
31 août 2021. On peut penser qu'un surplus de 900 000 $ sera dégagé à la fin de l'année financière. Alors, il est proposé d'accepter le dépôt des rapports financiers comparatifs au 31 août 2021. Ça va me prendre un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par Mme Vicky Langevin. Le point 13.1, demande de dérogation mineure numéro 2021-028-DM, 779 rue Noyer, France. Oui, alors, considérant que les citoyens ont été invités en personne ou par demande écrite à se faire entendre sur cette demande, conformément à l'arrêté 2021-054 du ministère de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021, considérant que la demande a pour objet de permettre l'installation d'une remise dans la bande riveraine, dans la bande de protection riveraine, conditionnellement à ce que cette remise empiète sur une distance maximale de 5 mètres à partir du bâtiment principal et qu'elle repose sur des blocs de bois ou de béton, alors que l'article 111 du règlement de zonage 71-23-00-213 interdit ce type d'installation si toutes les conditions prévues au règlement ne sont pas remplies. Alors, considérant que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'aucun autre endroit n'est disponible pour implanter la remise en dehors de la bande de protection riveraine et qu'une bande de protection riveraine de 5 mètres reste intouchée, considérant la recommandation favorable du comité de consultatif d'urbanisme, donc sous la condition suivante, qu'aucune construction ou bâtiment accessoire permanent, donc aucune dalle de béton sous ceux-ci ne peuvent être érigées dans la bande de protection riveraine d'une distance de 10 mètres. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2021-028-DM, évidemment avec la condition qu'aucune dalle de béton ne puisse être érigée là, sous la remise. Ça va me prendre un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Michel Martel. Le point 13.2 demande d'aliénation et d'utilisation d'un lot à des fins d'agriculture numéro 2021-001-AG, rue Martin. Marie-Ève. Considérant que le requérant présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, donc la CPTAQ, une demande d'aliénation et d'utilisation à des fins agriculture sur le lot 5 131 322 du cadastre du Québec situé sur la rue Martin. Considérant que la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles exige que l'aliénation et l'utilisation à des fins d'agriculture fassent donc l'objet d'une demande d'autorisation à la CPTAQ pour tout terrain situé en zone agricole. Considérant que l'aliénation du lot 5 131 322 se fait en faveur des propriétaires des lots adjacents, donc 5 131 321 et 5 310 713 contigus, et que l'utilisation souhaitée est l'exploitation à des fins acéricoles et qu'un plan d'ingénieur forestier confirme le potentiel à cet effet. Considérant que la demande ne contrevient à aucune disposition de la réglementation d'urbanisme de la ville, il y a lieu d'accepter et d'appuyer, tel que présenté, la demande d'aliénation et d'utilisation à des fins d'agriculture à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Ça va prendre un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Michel Martel. Le point 13.3, comité consultatif d'urbanisme, renouvellement du mandat de certains membres. France. Oui, alors, considérant que le mandat de deux membres actuels du comité consultatif d'urbanisme prend fin le 31 octobre 2021, il y a lieu de renouveler le mandat de ces deux membres, soit M. André Charlebois et M. Sylvain Montpetit, pour un terme du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023. En fait, ça va me prendre un proposeur, M. Michel Martel, appuyé par M. Mathieu Daviaud. Le cap,
14.1, c'est seulement qu'un dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 15 septembre 2021, portant le numéro 506. Au point 14.2, c'est seulement un dépôt aussi, la liste des embauches employés salariés pour le mois de septembre 2021. Et nous sommes rendus au point d'information. Je vais commencer avec les statistiques cumulatives concernant les permis et certificats émis. Donc, du 1er janvier à aujourd'hui, on a eu 496 permis et certificats émis pour une valeur totale de 66 367 080. Comparativement aux trois dernières années, on a 66 millions, puis les trois dernières années, ça totalise 45 millions. Puis si on va plus loin que ça, la quatrième année, on égalise quasiment les quatre années ensemble, juste avec 2021. Donc, c'est de très bonnes nouvelles. Il y a également, le mercredi, le 13 octobre, il y a une collecte de sang au pavillon multifonctionnel de 10h à 20h. C'est organisé par les Chevilles-Colombes en collaboration avec la Ville de Saint-Amable et les élèves de l'École Odyssée. Il y a les détails sur la page Facebook de la Ville pour prendre des rendez-vous. On a également France qui veut nous dire un mot. Oui, donc c'est une invitation pour l'activité de l'Halloween, là, donc à surveiller, les détails seront publiés sur notre page Facebook. Le couloir de l'Halloween, là, proprement dit, qui avait lieu ici à la bibliothèque, ne pourra pas avoir lieu. Par contre, il y aura une autre activité qui va se dérouler la journée même de l'Halloween, donc à surveiller. Et il y a également la course aux citrouilles, les inscriptions sont en cours aussi pour le dimanche, le 17 octobre, au Parc Le Rocher. Voilà. Parfait. Et il y a Mathieu aussi qui a un mot spécial. Oui, depuis vendredi dernier, nous, le conseil municipal, nous sommes honorés d'avoir été reconduits pour un deuxième mandat et remercions tous les Amabliens et Amabliennes de leur confiance encore une fois. Cependant, cette euphorie est un peu altérée par le départ de notre ami et conseiller du district numéro 6, Michel Martel. Il y a 4 ans, nous étions une jeune équipe dynamique et pleine de projets, mais sans expérience du monde municipal. Heureusement, cela ne nous a jamais inquiétés quand nous avions Michel. Michel, c'est une force tranquille qui, grâce à son expérience, a toujours trouvé le moyen de nous guider et relativiser les choses dans les situations les plus corsées. Son flair, sa passion, sa sagesse ont été au cœur de nos meilleures décisions au cours des 4 dernières années. C'était carrément un phare pour nous. Sur une note un peu plus personnelle, en tant que jeune élu, siéger aux côtés de Michel, ça n'a pas seulement été une chance, mais ça a été un privilège et un honneur, Michel. Grand homme communautaire, il m'a appris ce que c'était d'avoir le bien-être commun à cœur et de le mettre au centre de nos décisions. Mon ami, nos longues conversations politiques post-réunion vont terriblement me manquer. Ce soir, c'est ton dernier tour de piste en tant que conseiller municipal. Mais sache que tu es et que tu seras toujours un membre de notre équipe. En mon nom et en celui du conseil municipal de Saint-Amable, je te dis merci et bonne retraite, mon ami. Félicitations, Michel. Merci. Après ça, on a la période de questions. Sur la page Facebook de la Ville, il n'y avait aucune question de citoyen. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ici? Non plus. Parfait. Je vais déclarer la levée de la séance. Ça va me prendre un proposeur, Mme Vicky Langevin. Et on va finir ça en beauté, appuyé par M. Michel Martel. Merci beaucoup.